Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le parfum Paragon. Alors, c'est un parfum Paragon. Je sais qu'il n'y a pas de E à la fin, mais je vais l'appeler Paragon quand même. C'est un parfum qui est vraiment difficile à critiquer ou à analyser parce que les notes sont vraiment bien équilibrées ensemble. C'est vraiment un parfum qui est bien agencé et ça fait en sorte qu'il n'y a comme pas de notes qui ressort ou qu'on est capable de dire « Ah oui, il y a de la vanille dedans. Ah oui, il y a telle chose. » Tu sais, des fois, on est capable de faire ça avec les parfums puis automatiquement, on caractérise le parfum avec les notes qu'on sent. Celui-là, il est comme complètement diffus. Les notes sont complètement diffuses à l'intérieur et ça le rend juste vraiment plus intéressant. J'avais très hâte de le recevoir. C'est un parfum que je savais qu'il allait me plaire parce que à l'intérieur, il y a des notes de prune et j'adore les notes de prune. Si vous ne connaissez pas vraiment ce genre de notes-là, c'est une note qui va comme ajouter un petit côté, des fois surette, mais des fois juste un petit peu pétillant. Ou ça a vraiment, je trouve que ça donne tout le temps une belle âme à un parfum quand il y a une note de prune à l'intérieur. Donc, alors, je savais que celui-là, j'allais apprécier ce côté-là. Ensuite, il y a aussi de la lavande, il y a de la sauge, il y a du palo santo et il y a aussi du santal et plusieurs autres notes. Mais c'est particulièrement ça, je dirais là, que l'ADN du parfum se construit principalement autour de ça. Puis là, c'est le fun, hein? OK. Alors, c'est un parfum, oui, qui est... Quand je l'ai mis sur mon carton, en premier, j'avais vraiment l'impression de sentir, et là, j'espère que vous allez pas rire, mais de la slush aux cerises. C'est vraiment ça l'image qui m'est arrivée. J'étais là, on dirait un bonbon, puis j'étais là, non, c'est pas un bonbon. C'est vraiment comme une odeur de slush en plein été aux cerises. Et après ça, je dirais que ça se tranquillise tranquillement, parce que pour vrai, c'est pas ça qu'on sent tout le long, pas du tout. Je l'ai justement sur moi, puis il s'en vient vraiment plus doux, plus réservé, tout en étant très calculé. Je dirais que c'est un parfum qui est précis. C'est bizarre à dire, mais il est super raffiné, super... Il y a une belle atmosphère autour de l'odeur. Et je dirais que le Palo Santo, c'est une note que je suis en train d'apprécier de plus en plus parce que je trouve que ça donne tout le temps un petit côté, justement, très mesuré, très... sans dire qu'il est léger, c'est, on sent sa présence, mais c'est un bois qui est moins riche que quand on parle d'oud ou quand on parle de gaillac, quand on parle... C'est vraiment un bois qui va être juste un peu plus lumineux. Ou c'est vraiment difficile à décrire, mais bref, Palo Santo, c'est une note que j'apprécie de plus en plus. Donc, j'ai parlé de ma slotch, j'ai parlé du fait qu'il était raffiné, équilibré. Je pense que ce serait à retenir. Ce qui est à retenir aussi, c'est que les notes ne se distinguent pas les unes des autres. On est vraiment dans un parfum qui est super bien harmonisé. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, essayez peut-être d'aller chercher des formats découvertes, des formats échantillons, parce que la bouteille est hors de prix. Mais si jamais c'est un parfum que vous voulez que ce soit votre parfum signature, ben des fois l'investissement peut valoir la peine. Alors, je laisse ça dans votre cours, mais juste sachez que la marque Initio, les parfums sont justement quand même très dispendieux. Alors, voilà, je tiens quand même à vous présenter différentes facettes du monde de la parfumerie, différents types de produits. Tu sais, on n'est pas tout le temps obligé d'être dans les parfums sucrés, sexy et tout ça. On est capable d'aller dans des choses un petit peu plus distinguées, dans les choses un petit peu plus raffinées et aussi qui sont super originales. Alors, c'est un petit peu ça aussi que j'essaie de vous faire découvrir. Alors, voilà. Alors, ça fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Puis, dites-moi si jamais il y a un parfum que vous trouvez là, qui sort de l'ordinaire pour vous, que vous, c'était comme une découverte olfactive pour vous. Alors, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.